Bonjour à tous, nous voici réunis pour la lecture du jour. Aujourd'hui, une belle histoire de mon ami Camille Piantanida, que j'embrasse très fort. Tintamarre au phare. Attention, écoutez bien, parce qu'à la fin, il y a des questions. Je rappelle les consignes. Les petites sections, vous pourrez réécouter l'histoire une fois avoir entendu les questions à la fin. Les moyens, essayez de bien tout retenir. Et pour les grandes sections, interdit de réécouter l'histoire, enregistrer tout du premier coup. En fait, c'est quoi un tintamarre? Le tintamarre, c'est quand il y a beaucoup de sons différents et que ça fait beaucoup de bruit. Ah d'accord. Sésame, le souriceau. Rend visite à ses amis qui habitent dans un phare. La nuit, tout en haut de la tour, une lumière clignotante se voit de loin et guide les bateaux. Voilà Sésame, le souriceau, et le phare qui est bien connu de nos amis ici, qui est le phare de Cordouan. Hop, Sésame marche sur un petit chemin de pierre. C'est facile d'aller jusqu'au phare sans se mouiller les pattes. Mais au secours, la marée monte, le chemin disparaît, je ne sais pas nager. Le voilà, il va jusqu'au phare, mais la marée monte. Pas de panique. Viens par ici. Rigole Sidonie qui arrive à pic avec son sous-marin. Voilà, vous voyez, Sidonie, dans son sous-marin, elle vient sauver ses âmes. Le sous-marin se faufile entre les poissons multicolores jusqu'à une entrée secrète. Tu sais, dit Sidonie à ses âmes, quelque chose ne tourne pas rond avec le nouveau gardien de phare. Ah bon, dit ses âmes, en apercevant son ami Fenouil coiffé d'un scaphandrier. Fenouil tape un code 007, ça dirait que c'était tes parents. Sur sa télécommande, et la grande porte s'ouvre. Voilà Sésame et Sidonie qui arrivent dans le sous-marin. Et voici leur ami Fenouil qui arrive avec un scaphandre et qui tape le code 007. Céleri les attend. Bonjour, vieille branche, s'exclame Sésame. Mais que se passe-t-il? Le sol tremble. C'est à cause du nouveau gardien. Il fait vibrer le phare, explique Céleri. Personne n'ose monter. Nous avons trop peur, avoue Sidonie. Tout tremble. Ils ont trop peur de monter. Mais que se passe-t-il? Oh là là, ces escaliers en colimaçon. Si le sol tremble encore, je vais tout dégringoler. Nous allons t'aider, Sésame, proposent les amis fantômes. Regardez le bel escalier en colimaçon. Tiens, les grandes sections et les moyens, avec vos parents, vous irez trouver sur internet une photo de l'escalier en colimaçon du phare de Cordouan et vous me l'envoyez. Question subsidiaire. Sésame vole au-dessus des marches. Il se sent tout léger. Le fantôme le monte tout en haut du phare. Sésame vole au-dessus des marches. Il se sent tout léger. Soudain, le phare tremble plus que jamais. De mémoire de fantôme, nous n'avons jamais ressenti quelque chose d'aussi effrayant. Mais quel est donc cet étrange gardien qui fait peur même aux fantômes, se demande Sésame. Regardez, les fantômes sont terrifiés. Pour que les fantômes aient si peur, ça doit être vraiment horrible. Sésame arrive dans les cuisines du phare. Ça sent bon. Si tu nous expliques ce qui se passe là-haut, tu auras un bon plateau de fromage, disent Roquette et Sarriette. Sésame est inquiet. Lui aussi commence à avoir peur du monstre qui fait trembler les murs. « Passe par ici !» lui conseille Sarriette en lui montrant le passe-plat. Alors voilà la préparation du plateau de fromage. Et voici le passe-plat. C'est par ici que pourra se faufiler Sésame pour aller jusqu'au gardien, jusqu'à ce mystérieux gardien. Le petit ascenseur arrive dans la lampe du phare. Sésame découvre alors le gardien. Cram écaille, cette bonne vieille écaille, s'exclame Sésame, soulagé et ravi.
Tiens, bonjour Sésame, ma petite graine, dit tranquillement un vieux dragon depuis son fauteuil. Regardez Sésame, il arrive tout en haut. Et c'est Cramécaille et le dragon, ils se connaissent. Tout le monde est effrayé ici. Pourquoi fais-tu trembler les murs? Moi, je leur fais peur, s'exclame Cramécaille et Uri. Ah, c'est donc pour ça que personne ne vient me voir. Ils prennent un petit goûter ensemble. Je lis en ce moment un livre effrayant. Je crie et je tremble parce que j'ai peur. Ouf, soufflent en cœur tous nos amis, qui curieux étaient montés discrètement. Excusez-moi, messire Cramécaille, ose timidement Sidonie. Je crois qu'en plus d'être un dragon peureux, vous êtes un dragon tête en l'air. Voilà les amis qui sont montés et qui observent la scène. Oh, comment ai-je pu oublier ? Rit Cramécaille. Il souffle alors un bon coup dans la lampe du phare qui s'illumine aussitôt. Et voilà, c'est le dragon qui allume la lampe du phare. À la bonne heure, dit Fenouille, les bateaux verront notre lumière. Et pour me faire pardonner, s'exclame Cramécaille, chocolat chaud et petit gâteau pour tous les habitants du phare. Et voici, c'était Tintamarre au phare, un livre de Camille Piantanida, ma copine, aux éditions Petit Label. Alors, il est temps de poser les questions. Question 1. Avec quels moyens de transport Sésame arrive-t-il au phare? Question 2. Qui lit tranquillement dans son fauteuil tout en haut du phare? Question 3. Par quels moyens Sésame arrive-t-il tout en haut du phare? Voilà. Mais j'attends tes réponses en vidéo ou en texte tapé par tes parents, comme tu veux. Et puis, tu peux aussi t'amuser à chercher des photos de phares pour m'envoyer sur Internet. Et une question supplémentaire. Est-ce que les plus grands, vous pourriez m'expliquer ce qu'est un phare? Pour les plus petits, je laisse vos parents vous dire à quoi ça sert. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo.